Bien, on va reprendre de Saussure et Lacan. Pour regarder cette vidéo, il faut avoir regardé la vidéo précédente qu'on avait intitulée De Saussure, Lacan et le signifiant. Cette vidéo-ci, elle est intitulée De Saussure, Lacan et l'inconscient est structuré comme un langage. On va reprendre de Saussure. On disait la fois précédente qu'il avait introduit une nouvelle définition du signe comme l'union entre le concept et l'image acoustique, entre le signifié et le signifiant. Et il s'est rendu compte que concrètement, les choses sont un peu plus compliquées quand on parle. Quand on parle, on devrait supposer deux niveaux. Un niveau A, un niveau B. Le niveau A est constitué par les signifiés, donc par les concepts. Et le niveau B est constitué par les images acoustiques ou par les signifiants. On devrait pouvoir à chaque fois découper d'une manière précise, et chaque fois qu'on dit quelque chose, on devrait aussi pouvoir trouver, donc associer à l'image acoustique un concept. Et donc on devrait avoir un peu ce schéma-là. Mais de Saussure fait un exemple qui rend un peu plus compliqué ce découpage. L'exemple qu'il propose est celui-ci. Donc, l'image acoustique est un exemple où on a les mêmes images acoustiques, mais avec un signifié qui est complètement différent. L'image acoustique est je la prends, première, deuxième, je la prends. Donc, il y a la même image acoustique. Ce qu'on entend, donc je la prends et je la prends, alors que se réfère à deux signifiés différents. Je la prends, c'est par exemple la maman qui dit c'est quand que tu vas apprendre ta leçon? Ben, je la prends maintenant. Par contre, je la prends, c'est quand que tu vas prendre ta chaussure? Ben, je la prends maintenant. Vous voyez? Donc, ce qu'il va dire de Saussure, c'est que ce découpage qu'on peut faire et retrouver ce qui est associé, le signe linguistique, ce qui est associé à une image acoustique, le signifié, dépend du contexte. Voilà qu'il a introduit une nouvelle notion qui est le contexte. Et la langue, le langage fonctionne beaucoup en termes en ayant à l'esprit un élément, eh bien, on va pouvoir le distinguer d'un autre élément. C'est-à-dire qu'on fonctionne par opposition. On va faire un autre exemple très concret, très simple. Vous êtes dans un restaurant et vous êtes avec votre épouse, votre femme, qu'elle va vous dire « je vais aux toilettes ». Quand elle va vous dire « je vais aux toilettes », bien, c'est sous-entendu aussi qu'elle va aller aux toilettes des femmes. Hein. Et donc là, il y a une autre opposition qui est une opposition entre toilettes femmes. Et toilette. Homme. Et du coup, les personnes qui sont dans la toilette des femmes, on sait que ce sont des femmes. Donc, grâce à cette opposition, il y a des sous-entendus, il y a des mots qu'on ne doit pas utiliser. Je vais aux toilettes, je ne vais pas dire je vais aux toilettes des femmes. Parce que c'est sous-entendu cela, parce qu'il y a une opposition déjà entre toilette homme et toilette femme. Et le langage, eh bien, il est fait de toute une série d'oppositions. Et grâce à ces oppositions, eh bien, quand on utilise un mot, eh bien, il s'oppose à un autre. On sait que dans un certain contexte, on peut associer cela à un certain signifié. Donc l'image acoustique a un certain signifié plutôt qu'un autre. Et il y avait aussi l'exemple de l'échiquier. Eh bien, en fonction de la position d'un pion, on peut comprendre ce qu'il peut faire ou ne peut pas faire. Comment il peut bouger, comment il ne peut pas bouger. Donc, sa valeur, voilà que
de Saussure introduit un nouveau terme qui est la valeur du signe, hein, la valeur du pion, la valeur du signe, la valeur de l'image acoustique avec son signifié dépend de sa position dans un certain contexte ou en fonction d'autres signes, donc en fonction des signes linguistiques. Et cette valeur du signe qui est donnée par la position du signe en fonction des autres signes, eh bien, nous donne l'idée de ce qu'est un système linguistique, une structure, un système structurel. Et c'est pour cette raison que la linguistique générale de Saussure était considérée comme le début d'une approche structurelle à la linguistique. Maintenant, on va voir du côté de Lacan et pourquoi il va énoncer cet aphorisme que devenu très connu, il a un grand succès. L'inconscient est structuré comme un langage. C'est-à-dire que l'inconscient a une structure un peu comme on vient de dire, du côté de la linguistique. On va reprendre l'exemple qu'on avait cité dans la vidéo précédente. On ne va pas la reprendre dans les détails. Bon, c'est cet étudiant qui écoute une leçon sur les arbres. Et la nuit, il va rêver un arbre cassé, un arbre ou bien un arbre qui tombe parce qu'il a le cœur brisé, étant donné qu'il s'est séparé de sa fiancée il y a quelques semaines. Et il avait fait un dessin sur l'arbre en face de sa maison avec un cœur et le nom de lui et le nom de sa petite copine. Maintenant, faisons qu'il y a quelques années qui vont passer, mais il y a quand même des traces qui restent parce qu'il avait vécu ça comme un traumatisme. Il avait peut-être aussi une petite dépression suite à cette séparation. Mais voilà qu'après des années, bon, la dépression est partie, il se refait une vie, mais on va voir comment le signifiant arbre va déterminer encore des signifiés qui vont dire concrètement des choix. Et faisons que là où il doit aller chaque matin au travail, il peut choisir entre deux endroits, entre deux rues. Donc ça, c'est le lieu du travail. Donc il peut choisir, donc ça c'est une première rue et puis une deuxième, une première rue et puis une deuxième, et c'est à peu près le même temps pour arriver au travail. Seulement dans cette rue ici, il y a des buissons, et dans cette rue ici, il y a des arbres. Eh bien, il va préférer prendre cette rue avec les buissons plutôt que la rue avec les arbres. Là aussi, ça va fonctionner un peu comme opposition. Le choix qui va se porter sur les buissons, c'est en opposition au choix aux arbres où le signifié des arbres va se relier avec cette période traumatique de cette séparation avec sa copine. Et le signifié qui est du choix de la préférence du buisson se fait parce que concrètement, si on devait traduire verbalement en termes de signifié, choisis le buisson, la rue des buissons, parce que l'autre qui est indiqué par les arbres serait celle-là la plus pénible. Mais cela est inconsciemment, c'est-à-dire que cette structuration de choix va se faire inconsciemment, ça va se faire par la détermination du signifiant arbre. Voilà, à la prochaine vidéo, au revoir.